20h le soir, j'allume la télé. La journée m'a gonflé, je vais me reposer. Mais j'ai pas réfléchi, journal télévisé. C'est encore des conneries qu'on va nous faire gober. Les nouvelles sont pas bonnes, ça on est habitué. Je prends la télécommande car je voudrais zapper. Mais trop tard, je suis coincé, ils viennent de commencer. Et du coup, les blaireaux, je veux les écouter. Alors je pleure. Il est 20h10, les nouvelles s'enchaînent. Le chômage a grimpé, mais faut pas s'inquiéter. Les radars pullulent et les retraites reculent. J'ai beau dire que c'est nul, j'ai bien peur qu'on ment. Mais non, pas de gros mots, mes enfants seraient choqués. Car comme les impôts, ils sont bien élevés. La soupe est dans l'assiette, en petite quantité. Mais le niveau va monter, j'ai pas fini de pleurer. Alors je pleure. Il est 20h20, le journal continue. Tant de gens qui ont faim et qui sont dans la rue. Un ministre enchanté de voir des bénévoles. Il se dit concerné par 30 ans d'enfoirés. Mais le seul enfoiré qui devrait se cacher, c'est celui qui pense pas que ça doit plus exister. Et c'est presque étouffé que je finis mes nouilles. J'écoute bien cette andouille qui me casse les. Alors j'ai mal. Il est 20h30, je suis anéanti. Y'a des bombes qui éclatent et des vies en sursis. Y'a des nouvelles taxes et des impôts aussi. Mais j'en suis au dessert, le journal est fini. Maintenant la soirée va pouvoir commencer. Ensuite j'irai me coucher et je vais pouvoir rêver. Il manquerait plus que ma femme me dise non pour ce soir. Et ce sera la soirée qui sera sans espoir. Mais que veux-tu ?